Mais Ferre Gaulle partait quand même. Il partait, il voyageait en France, mais Banaki au Kanga était. Mais donc, qu'est-ce qui a fait que Bakanga Ferre Gaulle là, c'est. Il y a un côté Batoison le Kabaye. Voilà. Quand il est passé à la télévision, la TV5 dernièrement, son dernier voyage, il est allé faire la promotion de son album Dynasty. Il est passé la TV5, c'est à ce moment-là, juge Joana à Monaki. Il a remarqué que cette personne est recherchée par la justice. Et en ce moment, là, dans la TV5, la plateau TV5, il est sur le sol français. Aujourd'hui, Ferre Gaulle là, comme tout au moment, on a professionnalisme, parce que l'album Dynasty Oyo, et puis nous avons vu. Ferre Gaulle, c'est passage na la télévision, maturité ou à Kominango, na ba pour répondre à la question et autre là. Nous constatons que l'entourage de Ferre Gaulle, yo qui va critique, voyez, yo qui va critique et ils sont en train de rectifier les. Mais face à c'est l'erreur où le musicien a mis sur basse la kezala manini. Quand vous êtes musicien, na ba quoi ba venu, voilà, na ba venu na ba quartier ou autre là, vous êtes en train de vous chercher. Vous êtes avec des amis, au Bokoli na bango, vous souffrir na bango, voyez, au Bokoli souffrir na bango, Bokoli na bango. Mais quand ta carrière est propulsée, monde mobimbe bio, l'erreur au Yobiso ba Congolais tout ça là qu'ils allaient raconter, même Batouana au Yobozalara na bango na carte, bien qu'ils sont pas qualifiés pour faire le travail au Yobimeni bango là, mais tellement aux gens a besoin de récompenser bango n'engue ba soutenir au autre là, aux huit bango, au directeur à marketing, au manager, au Yonani autre là. Or la compétence ne suit pas. Ferre Gaulle, c'est un artiste très discret en matière de famille. Vous voyez, vous allez constater que ça, c'est peut-être ma première photo de la part de Ferre Gaulle. C'est quelqu'un qui sait séparer sa vie artistique de sa vie familiale. Un musicien, une star, une célébrité entre sa vie artistique et sa vie privée. La frontière est tellement mince. Vous voyez, la frontière est tellement mince. On va nous souvenir de la star, de la célébrité, de la vie privée. Non, c'est ma musique, c'est sa vie privée, c'est sa famille. Moi, je dis toujours que un artiste musicien, entre sa vie privée et sa vie publique, il y a la frontière est tellement mince, la frontière est fine. Vous voyez, et actuellement, Ferre Gaulle en prison, qu'est-ce qui est pénalisé? C'est l'orchestre de Ferre Gaulle. Le bureau en agnon, basé sur l'activité. Ils peuvent organiser des shows. Voilà, ils ne doivent pas que attendre Ferre Gaulle. L'orchestre doit continuer, il doit faire la promotion de l'album. Parce que si on parle de l'arrêt, qui va faire la promotion de cet album? En tout cas, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux spéculations, aux tâtonnements, l'heure n'est plus aux hésitations et aux imaginations des gens. Avocat a fait rigolo là-bas, communiqué, la famille a communiqué sur le vrai raison. Et ça dit que notre artiste musicien, Oyo Asala Ramoussala Kitoko, ici en République démocratique du Congo, un bon chanteur, un grand chanteur, Ferrego là se retrouve là où il est là-bas. Encadreur Kuna, ces gens-là ils sont payés pour encadrer les enfants, pour orienter les enfants. Mais non, soba moni moi naza triste, soba moni moi na azana humeur ou azana na moté, na musala na bango esengi que balandi la vraiment moi na. Maintenant quand ils sont, quand ses assistants, ses encadreurs de l'école de sa fille ont cherché à savoir qu'est-ce qui rend la fille triste. C'est à ce moment-là qu'ils viendront découvrir que l'enfant a été réprimandé par son papa dans la méthode Oyo, dans la proto-culture européenne. Heureux sommes-nous d'être devant vous, dames et messieurs, de partout où vous êtes. Ici, il y a Univers Web Télévision et aussi il y a Damas Télé. Nous sommes là pour analyser ce qui est très malamo. Tous ceux qui s'abonner massivement dans nos chaînes parce qu'il y a les analyses et il y a de bonnes choses en ce qui concerne les artistes ici dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, nous recevons Bédric Lukabu, sans doute vous voyez bien un communicologue congolais. Autour de la culture congolaise. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de notre artiste Ferre Gaulle? Ferre Gaulle est un ambassadeur de la culture congolaise. Personne aujourd'hui ne peut le nier. Azo même musique, il y a Congo partout dans le monde. Par sa musique, ils ont permettre drapeau encore, il y a République démocratique du Congo et flotter partout ailleurs. Bédric Lukabu. Prince Landou, beauté. Bonne. Ouais, ça va, par la grâce de Dieu.
Et aussi, tout le monde a un univers web télévision ainsi que la Damas télévision. En tout cas, moi, je suis en train de s'abonner massivement sur ces deux chaînes parce que quand on vient, c'est pour décrypter l'actualité musicale de la plus belle manière pour leur plaisir, pour que l'antenne soit un peu éclairée dans le sujet d'actualité où ils ont touché le monde culturel actuellement. Actuellement, le sujet est dominé par l'actualité est dominée par Ferregola. Qui sans doute maintenant ce baby malheureux et comélié Ferregola il est en prison en ce net moment. Ferregola est en prison, c'est vraiment une tristesse pour la musique, une tristesse pour sa famille et cause nango en tout cas Badbanda qui coûte tâtonné. On avait promis aux téléspectateurs, aux abonnés de cette chaîne que connaissant le vrai cause, nous viendrons ici pour discuter sur ça, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu. C'est pour cela que nous sommes là, Prince Lando. En tout cas, bon, je suis content d'être reçu par toi. Et c'est vraiment pas que je suis reçu par toi parce que nous allons analyser essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu par rapport à ce sujet des Ferregola. Voilà. Ok, quelque chose de triste qui est arrivé aujourd'hui dans la musique congolaise. Ferregola fait 5 ans à Bandai Kot Maître album n'a marché. Aujourd'hui, Dynasty n'a marché, un album à succès. Tout à coup, directement, aujourd'hui, une histoire est sortie comme ça. Artiste Ferregola aux arrêts. Betouk Lukabwe, je sais qu'il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de choses. Par rapport, il y a vraie histoire, puis cause, il y a arrestation, il y a Ferregola. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux spéculations, aux tâtonnements, l'heure n'est plus aux hésitations, il y a aux imaginations des gens. Avocat a fait rigolo, a communiqué, la famille a communiqué sur le vrai raison où est que notre artiste musicien, Oyo Asala Ramoussala Kitoko, ici en République démocratique du Congo, un bon chanteur, un grand chanteur, fait rigolo, se retrouve là où il est là-bas. Vous voyez, il s'agit de sa fille, c'est selon la famille, selon les avocats, il s'agit de la réprimande qui a été faite par, par l'artiste à sa fille, comme tout parent le fait chez son enfant. Vous voyez, elle fait rigolo, peut-être il est allé un peu trop fort, l'artiste musicien, pour n'a qu'au réprimander moi nanaye. Et n'engue pas zolo bas moi la muta fundié non selon ce que on nous a dit c'est que les assistants sociaux ou à l'école là bas les encadreurs c'est eux qui ont constaté que l'enfant était triste après avoir réprimandé et l'enfant parce qu'il faut préciser que cette histoire ça date de 2013-2014 et à cette époque là la fille de Ferregola était encore mineure. Vous voyez, moi, la mineure, il ne sait pas garder Makambu, vraiment la famille, à voix qui, pas la justice, mais la encadreur, dans l'école, assistant social et autres là. Et c'est eux qui grandissent dans la culture européenne. Oh, oh. Papa a roki ko beta moi la tête. Vous voyez, nous on est des Africains, de temps à autre, moi on a au finake litoi de temps à autre, juste pour le réprimander, quoi. Maintenant, la poto est comme il fait rigolo et moi na amemiango na école parce que encadreur kuna ces gens-là ils sont payés pour encadrer les enfants pour orienter les enfants. Mais non, soba moni mwana za triste, soba moni mwana azana yu mère wa zala na ngote, na musala na bango esengi ke balandela vraiment mwana. Maintenant quand ils sont ses assistants, ses encadreurs de l'école de sa fille ont cherché à savoir qu'est-ce qui rend la fille triste? C'est à ce moment-là qu'ils viendront découvrir que l'enfant a été réprimandé par son papa dans la méthode Oyo, dans la poto culture européenne des Olingate. Vous voyez? C'est à ce moment-là, ces gens-là ont apporté l'affaire dans le niveau et la justice. Dans le niveau de justice, Ferregola à l'époque, il paraît que Ferregola à Salaki, qui a 24 heures en garde à vue, ben, interpellé qui est. Et puis, cette histoire, et ben là qui ne s'arrange jamais, sa famille et autres là. Mais il devait venir répondre à tout moment la justice, ce qui va bien guiller. Vous voyez, connaissant Ferregola, un artiste musicien, il voyage beaucoup. Ferregola, Atika a fait Rwana Bongo, a voyagé à Kenda. Et ce qui fait que ils ont changé l'adresse. Ils ont changé l'adresse, notification à justice. Parce qu'affaire ici, là, qui n'a noté. Notification à justice, Ferregola ne répondait pas.
selon les avocats de l'artiste, il y a une adresse Yamabe. Mais l'artiste aussi, sachant qu'il a une affaire comme ça en justice, il a fait, il a connu l'imprudence de ne pas demander au, de ne pas demander à ses avocats de suivre l'affaire. C'est à ce moment-là que la justice française avait constaté le refus de la part de Ferrego de se présenter devant juge. Condamné qui est par défaut, jugé par défaut, pas condamné par défaut. C'est à ce moment-là, dans le moment où l'histoire est commis grave, à ce moment-là, parce qu'il y avait déjà un mandat d'arrêt lancé, ce qui fait rigoler dans le territoire français, et dans le territoire français, au Kangaï. Mais fait rigoler partait quand même. Il partait, il voyageait en France, mais pendant que Kanga était. Mais donc, qu'est-ce qui a fait que Kanga fait rigoler là? C'est. Il y a un monde de Batoison, le cabaye. Voilà. Quand il est passé à la télévision, la TV5 dernièrement, son dernier voyage, il est allé faire la promotion de son album Dynasty. Il est passé la TV5, c'est à ce moment-là, juge Joana à Monakie. Il a remarqué que cette personne est recherchée par la justice. Et en ce moment, dans la TV5, la plateau TV5, il est sur le sol français à lancer un mandat d'arrêt, une vue de recherche à la frontière. Mais donc, quand Ferrego a voulu aller répondre à l'invitation pour la Guinée, la concernée privée à la Kinango, dans l'aéroport, interpeller, faire voir que la vie de recherche Isa Boye Ponayo, tu dois aller répondre à la justice. L'air a commis la justice, comme il a été déjà condamné, on ne pouvait pas le laisser en liberté. En fait, en gros, de manière générale, c'est ça l'affaire Oyo Ferrego la Aza Nango pour le moment. Donc c'est une affaire familiale, Ferrego la Améga qui a un peu corrigé sa fille. Effectivement, la situation se trouve devant la justice. Effectivement, c'est comme un parent qui a voulu remettre sa fille sur, sur le droit chemin. Vous voyez, quand une fille est adolescente, vous voyez, c'est toujours compliqué. Donc, Ferrego, il y a un peu de parents africains, tout ça. Effectivement, là, effectivement. Donc, lorsque moi, je suis dérouté, moi, je bendé moi, et l'autre, moi, lito, il a bendé, lito, hier, moi, gifle, pero, les calangos, mais ça se passe pas comme ça, la poteau. Vous voyez, ça se passe pas comme ça, la poteau. Mais il y a des familles aujourd'hui. Na poto ba beta ba famille africaine ba beta rabana mais ça reste dans la famille. Vous voyez, il y a beaucoup de familles africaines, nous on n'est pas des européens, bien que nous il y a des congolais qui vivent là-bas, il y a des congolais qui ont des enfants là-bas, mais à la base nous sommes pas des européens. Vous voyez, nous n'éduquons pas nos enfants à la manière européenne. Vous voyez, bien que quand vous êtes là-bas, il faut vous conformer aux lois, aux normes, il y a Mbokawana. Mais à la base, nous avons nos cultures à nous. Nous avons notre manière d'éduquer nos enfants. Vous voyez, et Ferrego a voulu faire à notre manière africaine. Et les assistantes sociales, les encadreurs de l'école de cette fille-là, de son enfant, ils ont remarqué cela sans que l'enfant affunde à Bango. Eux-mêmes, ils ont remarqué, ils ont fait leurs recherches, ils ont compris que l'enfant a été tapé par son papa. Et ils ont amené l'affaire à la justice. C'est à ce moment-là que Ferrego se retrouve dans la position. Là. Ok. Bon, je ne sais pas comment vous jugez aujourd'hui la communication à Makambango et bloqué Ango Bazin. Et ça a un niveau, il y a défense, il y a Ferrego. Comment tu le trouves un peu? Non mais bon, déjà Ferrego là c'est un artiste très discret en matière de famille naïe. Vous voyez, vous allez constater que ça c'est peut-être ma première photo tout mon amarambo de la part de Ferrego là. C'est quelqu'un qui sait séparer sa vie artistique de sa vie familiale. Vous voyez, il sait vraiment séparer sa vie artistique de sa vie familiale. Ferrego là lui-même, j'ai suivi chez Virginie Manganga qui dit que en tout cas bana naïe à la Kisarabango, Yemoko, sauf Baza bébé, Azo Kangaba photo, mais à un certain âge, Abo Marabango. Voyez. Et c'est un artiste, vraiment un parent qui sait éduquer ses enfants. Parce que Baba n'en est pas créé à scandale, comme d'autres artistes, musiciens. Voyez. Donc, mais Ferrego là, cette affaire, pour moi, Eza peut-être imprudence na yemoko, négligence na yemoko, de Moutoussali et Bimaboué. Parce qu'il faut rappeler, ça date de 2013-2014. Personne n'a eba kiango. Moutoumoro ta eba kiango, gérer kiango na niveau famille. Et pourquoi aujourd'hui, si Eza irait tout simplement à Ferrego là, d'autres personnes basso fistigé entourage à Ferrego? Mais Ferrego là, c'est un musicien. Un musicien est encadré. Vous voyez? Un musicien est encadré et conseillé.
Parce que on dit une star, une célébrité entre. Oui, c'est par là Nalinga qui un musicien, un artiste est conseillé. Par là Nalinga qui au coma par là. Je pensais aussi par ça. Est-ce que Ferrego là dans Katia Biro Naye, il a des conseils juridiques? C'est ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire. Un musicien, une star, une célébrité entre sa vie artistique et sa vie privée, la frontière est tellement mince. Vous voyez? La frontière est tellement mince. On va nous soucouvrir au barabas star, ma célébrité, dans la vie privée. Dans la vie privée, mais entre sa vie publique. Parce que c'est une personne, comment? C'est un personnage public, Ferrego là. Vous voyez? Alors, et là, on y a son action, on y a son opposé, peut-être dans le cadre de la famille, ce so qui, bah, bon bien ou bien t'es, et qu'on bima à la face du monde. Yango en a d'où l'importance, y'a vous en a bureau à bien, y'a vous en a conseil à bien, y'a bas management à bien. Vous voyez? Parce... L'erreur, oh, bah, musicien, la bisou, bah, ça, la kéza, la vanini. Quand vous êtes musicien, n'a pas quoi, bah, venu, voilà, n'a pas venu, n'a pas quartier autre, là, vous êtes en train de vous chercher. Vous êtes avec des amis au Bokoli na bango, vous souffrir na bango, voyez, au Bokoli souffrir na bango, Bokoli na bango. Mais quand ta carrière est à propulser, monde mobimbe bio, l'erreur au Bokoli ba Congolais tout ça là qu'ils allaient raconter, même Batouana au Bokoli na bango na quartier, bien qu'ils sont pas qualifiés pour faire le travail au Bokoli memeni bango là, mais tellement aux gens a besoin de récompenser bango n'engue ba soutenir yo autre là, aux huit bango au directeur à marketing, au manager, au yonani autre là. Or la compétence ne suit pas. Voilà, c'est bien beau de vouloir récompenser loyauté, soutien à bas camarades et autres là, beaucoup là bas. Mais à un certain niveau, on a besoin de la compétence, du professionnalisme. C'est ça. Vous voyez? On a besoin du professionnalisme. C'est ça qu'on n'a pas remarqué dans ces problèmes, Bedri Lokabo. C'est ce que j'ai dit, c'est à déplorer. Combien de fois on a déploré l'entourage de Ferrego là? Combien de fois on a. Mais maintenant là même, ça s'est arrangé. Hein? Là, je pense à Yannick Bal. Voilà, j'ai vu le DG Polo, il est en train de faire un bon travail. J'ai vu le nouveau manager de Ferrego là, la dame là, elle fait aussi un bon travail. Aujourd'hui, Ferrego là, comme tout le monde a professionnalisme, parce que l'album Dynasty Oyo, et y est Namoto Nango, et puis nous avons vu Ferrego là, ses passages na la télévision, maturité ou à Komi Nango, na ba répondre à la question et autres là. Nous constatons que l'entourage de Ferrego là, yo qui va critique. Vous voyez, bah, qui critiquent et ils sont en train de rectifier les. Mais face à ces problèmes, Bédric Lukabo est au moni. Non, les problèmes ici, ça date de 2013-2014. C'est-à-dire que si Ferrego là avait voulu arranger ce problème depuis 2014, Atika, je crois, bah, conseiller juridique, n'aie pas l'année là, quel problème, moi, na, base à la recourant à l'étape, tu n'as tout comme le niveau. Mais c'est ça, il voilà. Y a souk, na niveau, bah, chambre des conseils, peut-être, voilà. Ferrego, là, n'a qu'à vous arrêter. Parce que la justice française, il y a la possibilité, okay. Il y a la possibilité, même si on a prévenu, aux la possibilité, il y a commandaté bah, avocat, même sur le plan pénal, bah, qui va bah, représenter ce qui justice et monique, présence dans les obligatoire. Moi, je pense que. Bah, non, conseil, mais eux ils se justifient gravement. Et ils se justifient dans quel sens? Il y a eu, en 2013-2014, affaire Rwanda, tellement, et Banaro Kenemalembe, Ferrego aussi avait des concerts de gauche à droite. Et puis, il y a eu Covid, vous voyez? Dans le débat 2019 et autres, là, il y a eu Covid, confinement et trucs comme ça. Et cette affaire. Ferrego, là, c'est un grand artiste. Ok. C'est un grand artiste. Il a la possibilité d'avoir des avocats à Paris. Effectivement. Il a la possibilité d'avoir des avocats aux États-Unis. Qu'est-ce qui a manqué dans le bureau de Ferrego là, pour conseiller à l'artiste à mandater un avocat pour le représenter? Bon, c'est juste la négligence, vous savez, eux, ils ne pensaient pas que l'affaire allait avoir cette ampleur-là. C'est une erreur. Ouais, c'est une erreur. Le problème aussi est que la plupart bah, mais ça, là, bah, justice n'a pas Congo, au moins bah, justice sans manquer du respect, la justice n'a pas, mais nous savons tous comment est-ce que ça se passe ici. Voyez, le bureau de voilà. Ferrego la faille. Le bureau a moi, failli. Moi je dis tout carrément bravo à Batopato fistigé entourage à effectivement, Ferrego. Effectivement, le bureau a failli parce que je te dis, l'artiste est géré. Un artiste, une star doit être géré. Voyez, un artiste doit être géré. Un artiste ne peut pas. Ne se décide pas de lui-même en fait. Donc, il faut que tu ailles sur le bureau que nous avons un copain qui a été.
Voilà, c'est lui. Maintenant, les loyers à Tenango qui répondent là-bas, date et belé au bazar, l'ango, bah concert faut babeta. Il y a que Ferrego là qui peut aller là-bas dans l'orchestre Naye. Vous voyez, c'est-à-dire que là, cet orchestre là est paralysé actuellement. Mm-hmm. Vous voyez, l'orchestre de Ferrego là est paralysé parce que lui, l'artiste, il n'est pas là. Parce qu'on dit Ferrego là va jouer. Dans Angola, Ferrego là va jouer au Nigeria. Mais comme lui, il n'est pas là, Azan Abada est belé prévu pour lancer la promotion. Mais c'est impossible, moi, qu'il ne les ate parce que lui-même, il n'est pas là. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire que le bureau doit être aussi vigilant, doit être aussi rigoureux envers l'artiste et au cadraka. Le bureau, l'artiste et au. Il ne faut pas se laisser. L'artiste, les artistes musiciens, ils sont capricieux, vous savez. Le star partout au monde, pas seulement au Congo. Ils sont capricieux. Yango Wana, Tosenga. Artiste dans la bisopé, bas on a un manager moko professionnel, bas manager moko, bas encadre, bas bureau na bango rien à voir na, bas master na bango, bas colon na bango, parce que master na ngai soit petit na ngai, il est enclin yako céder na bas caprice na ngai, na enclin yako manipuler à tout moment. Aujourd'hui qui masse ça, c'est voilà, c'est à dire que ce qui ngai na colon na master na ngai mobewana soit petit na ngai mobewana na suyer na teye. Par exemple, le directeur en marketing, ça chargé des relations publiques et autres là, il n'aura pas un mot à dire face à moi, vous voyez. Or, si tu prends un manager professionnel, un manager qui n'a rien à voir, n'a pas passé, n'a eu autre là, qui connaît son travail, c'est lui qui va me dicter quoi faire. Le comble est que l'artiste, le musicien, la biso ne mutu ba dictaka, ba manager na bango, ba conseiller, je ne sais pas moi, ba bureau, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous voyez, c'est un peu ça, donc le niveau, il y a encadrement, l'artiste, il y a matérisme, c'est ce qui fait ça. Si Ferrego avait un bureau professionnel, tout ça n'allait pas arriver. Bah, 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 non, les hommes ont moins musique, c'est sa vie privée, c'est sa famille. Moi, je dis toujours que un artiste musicien, entre sa vie privée et sa vie publique, il y a, la frontière est tellement mince, la frontière est fine. Vous voyez, et actuellement Ferrego en prison, qu'est-ce qui est pénalisé? C'est l'orchestre de Ferrego là. Bah bureau en agnon se basé sur notre activité. Vous voyez, bien que Moussa Lezo continue qu'au Salama, Tomoni, Ferrego là vient de, il a sorti son clip, il a sorti un clip, il y a Nzembo, il y a Rumba Trap. Vous voyez, et Bimi, mais il faut le dire, et Bimi la timidité par rapport à bah, deux autres clips et Bima qui quand Ferrego là, lui-même il était en liberté. Vous voyez la différence? Quand Ferrego là lui-même il était en liberté. Les deux autres clips, ouais, Tomona, il a organisé bah, show, a organisé bah, soirée pour faire la promotion de bah, clip. Ouais, est-ce que vous pensez qu'il fallait bah, bon, bah, bon, nan, nous, là, nan, nous, un moment? Non, mais c'était déjà prévu, Ebima. Arrestation, là, ça ne pouvait pas empêcher parce que machine et Zaki, déjà, on marche pour Ebima. Il faut savoir aussi, Ferrego a un contrat à la maison Mounen et Sony. Vous voyez, c'est Sony aussi a sa décision par rapport à bah, sortir bah, clip, par rapport à bah, promotion de bah, l'album. Ouais, mais en bref, Prince Landou, c'est triste, hein. C'est triste de voir Ferrego là, et surtout, car album Oyo Dynasty, les gens vraiment espéraient, ont beaucoup espéré, c'est un album magnifique, toutes les chansons sont de belles chansons, vous voyez, dans cet album, là, Ferrego là fait un travail de titan, vous voyez, mais tout le monde a album Dynasty en danger parce que lui-même il est en prison. C'est okay. Un peu grave, voilà. Ok, l'album Dynasty a danger parce que l'artiste est en prison. Je ne sais pas qu'est-ce que qu'on conseille dans l'orchestre à faire là. Est-ce que bah, il faut bah, multiplier la bah, production sans l'artiste bah, oui, bah, bah, oui ils peuvent le faire, mais ils ne doivent pas. Que attendre Ferrego là. C'est un orchestre, il y a de bons musiciens. Bureau Ezawana, ils ont fonctionné. Vous voyez, Bureau ils ont fonctionné en tout cas. Voilà, Bassala Moussala, Nabango Malamou, Bako Obeta, Bakonser, ils peuvent organiser des shows. Voilà, ils ne doivent pas que attendre Ferrego là. L'orchestre doit continuer, il doit faire la promotion de l'album. Parce que ce Bango Bazala Nare, qui va faire la promotion de cet album? Voilà. Ok, un grand merci de partout où vous étiez en train de nous suivre ici Nakati Adamas Télé, de même aussi dans l'univers web. Nous vous demandons de vous abonner massivement dans notre chaîne. Il y a les analyses, il y a de belles choses. Quel est ton mot de la fin? Moi, je vais demander à tout le monde qui nous a suivis, merci beaucoup. Et à continuer de vous abonner sur ces deux chaînes, Univers Web Télévision et Damas Télé. En tout cas, d'autres émissions, Zoya, d'autres programmes. Vraiment, à Kosepela. Merci beaucoup. Ok, nos salutations à Teddy Timba, nos salutations à Foyi Kipela, Yannick Mbadou, sans oublier Glody Mozo. Depuis, si nous avons un bon Tebipa et Bozali, vous abonnez massivement. Ciao et à la prochaine.